Shalom Alechem, Bezrat Hashem Itbarach, une lettre de Rabbi Nathan, la lettre 31. Baruch Hashem, Yom Aleph, et dimanche, Chaye Sarah Taktsa. Parasha de Chaye Sarah, l'année 591. Shalom Kanaoub. Bezrat Hashem. Rabbi Nathan dit, ta lettre, je l'ai reçue deux fois. Echad Besof Yom Revi, Barechut Gadol. Qui est la première fois le mercredi, très très longue. Bechazdeh Hashem kvar ikdamti lehashiv lo tshuva nechona leor le yom revi. Je t'ai déjà répondu. Le mercredi, je t'ai déjà répondu. Mais sûrement, tu n'as pas dû recevoir la lettre. Asher shalach Hashem tachat kul musi lechazkecha liyot besimchat amid al shelo asani goy. Je t'ai envoyé dans cette lettre-là ce que HaKadosh Baruch Hu m'a envoyé en dessous mon stylo. Okay. Que tu te renforces d'être en joie toujours, joyeux toujours, du fait que tu n'es pas goy. Les Da'ati Bevada Echeya Otraï Geret Meod. Je suis sûr que ça t'a beaucoup renforcé. Arkefi Anere, mais seulement d'après ce que je vois. Tu l'as pas reçu la lettre. Seulement vendredi tu as dû la recevoir. Envoie-moi une lettre pour me dire si tu l'as reçue vendredi. Umod nifleti alecha al sheole alibcha pachad minyan ashtratred. Je me suis j'étais très étonné de toi que mon frère. D'accord. Ouais, correct. Non, c'est les rôles. Tu es de la Tzarfatite? Ah, c'est de la Tzarfatite. Tu es de la Tzarfatite. Tu veux que tu es de la Tzarfatite? אך כפי הנראה, לא הגיע לך זה המכתב עד יום וב, הסמוך לכניסת שבת. Seulement c'est ce que je vois, t'as pas dû recevoir la lettre jusqu'à vendredi. תשיב לי אם קיבלת. Réponds-moi si t'as reçu cette lettre ou pas. ביום וב, הגיעני עוד הפעם מכתבך. Et j'ai reçu encore une fois ta lettre. ומוד נפלתי עליך על שעולה על לבך פחד מעניין אשטרדר. Je sais pas ce que c'est exactement. C'était peut-être un truc qui se passait à l'époque, ça doit être un mot en Russie, en russe. Okay. C'est qui ourak marash rora bechina, mais dire Rabbi Nathan, t'as pas avoir besoin de peur, avoir peur de ça. C'est juste une angoisse sans raison. Bechina, okay. Gratuit. C'est une angoisse gratuite. Hashem itbar brachama biachus alamo biatzilem me'ata migzara amara azot. Kakadash Baruch Hu, il est pitié sur son peuple et qu'il les protège, il les sauve de ce mauvais décret-là. Aval, seulement, Khalila lechalit pachet bechinam. Toi, chaz v'shalom, que toi tu aies peur pour rien. Ou les balbelat mecha mimeat iskecha bavodat Hashem, que tu vas t'embrouiller, okay, du peu d'avodat Hashem. Que tu fais. Ça veut dire, Rabbi Nathan, il nous apprend un truc là très fort. Emet. Très très fort. Bezrat Hashem Yitbarach, c'est très important de savoir ça. Il lui dit comme ça à son fils. Il devait avoir un mauvais décret sur le peuple d'Israël à l'époque de Rabbi Nathan, de son fils. Et son fils, il a dû entendre ça. Il parlait à la radio. Il n'y avait pas de radio, mais les gens entre eux, ils parlent. Sûrement les journaux, ils devaient avoir. Et puis son fils, il avait très peur de ce mauvais décret. Okay. Ou alors peut-être que c'était une maladie, okay, qui devait se répandre dans le truc. En tout cas, il y avait un truc qui faisait peur au fils de Rabbi Nathan. Et il lui a dit, Rabbi Nathan, ça ne sert à rien d'avoir peur pour rien, de t'angoisser gratuitement. Puisque de toute façon, c'est pas dans tes mains. À changer, tu peux pas changer, tu pourras pas changer ce si c'est ça, ça a été
C'est pas dans tes mains. Donc, ce qui n'est pas dans nos mains à nous, on ne doit pas s'angoisser pour rien. Donc, pourquoi? Si tu vas t'angoisser pour rien, tu vas embrouiller ton cerveau et tu ne pourras plus faire ce que tu peux faire dans la Avodat Hashem. Là, le temps, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est quelque chose d'important. Okay? L'argent, c'est. Nous, ce qui est important, c'est de prendre dans ce monde du monde futur, de émettre. On est dans ce monde-là. On passe ce monde chaque journée, c'est une pierre précieuse et qu'on doit faire monter cette pierre-là vers HaKadosh Baruch Hu. Et chaque journée, on a aujourd'hui, chaque personne en général, 25 000 pierres précieuses à faire monter devant HaKadosh Baruch Hu. Si la personne elle vit à peu près 70 ans, c'est 25 000 pierres précieuses à faire monter vers HaKadosh Baruch Hu. Et chaque jour, c'est une pierre précieuse. Si un jour tu ne fais pas monter ça, ça va te manquer. Tu peux pas la faire monter, tu pourras plus la faire monter après. Ce jour, il est passé. Rabbeinu, il nous dit dans l'écouté Moharan que chaque jour, la personne ne doit mettre que ce jour devant ses yeux. Donc, si j'ai cette journée aujourd'hui, pourquoi je vais maintenant m'angoisser avec des angoisses gratuites? Ce que tu peux faire, fais. Ce que tu peux pas faire, c'est pas dans tes mains. Alors, pourquoi tu t'angoisses bêtement? Tu t'angoisses, même si c'est quelque chose qui est vraiment qui doit angoisser vraiment. Puisque si par exemple on parle de là d'une maladie, chas v'shalom, qui se propage et tout ça, ça vraiment ça angoisse. Mais ça sert à quoi ça va te servir de t'angoisser, okay? Donc nous on doit savoir quand faire fonctionner nos sentiments et quand être un robot. Des fois Kadosh Baruch Hu, il demande soit un robot. Maintenant c'est ce sentiment qui va venir, il va t'angoisser pour rien. Il va te prendre ton cerveau. Il va plus te laisser servir à Kadosh Baruch Hu. Il va plus te laisser prendre ce que tu peux prendre dans la Avodat Hashem et vivre ce que tu peux vivre maintenant dans la Avodat Hashem. Donc ça, c'est un mauvais sentiment. C'est une angoisse gratuite que tu as. Il va lui dire, Rabbi Nathan, ça ne sert à rien d'avoir peur en vain. Tu as peur pour rien. Tu t'embrouilles pour rien. Il dit comme ça, maintenant regarde ce qu'il lui dit à son fils. Il lui dit à son fils, Israël, si tu veux, Béhémet, tu dis non. Alors non, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, attends, j'ai un cœur. HaKadosh Baruch Hu m'a donné un cœur, c'est pas pour. Que si je vois que Chas v'Shalom, il y a un mauvais décret sur le peuple d'Israël, moi je vais rester avec mon cœur comme ça, comme une pierre, et je vais rester comme ça, sans rien faire. Ça veut dire qu'en vérité, mon cœur, j'en ai rien à faire que Chas v'Shalom, il y a des juifs qui sont malades ou alors qu'il y a des mauvais décrets. Chas v'Shalom. Okay? Ça, c'est le Yetzera qui lui dit ça à son fils, à Rabbi Nathan. Donc il lui dit, Rabbi Nathan, il lui répond, il dit, écoute, si toi tu veux vraiment, ta façon de réfléchir, pourquoi tu t'angoisses? Parce que tu te dis dans ta tête, ouais, moi je veux être avec mon peuple. Si mon peuple y souffre, moi aussi je vais souffrir avec eux. Alors je vais m'angoisser avec eux. S'ils sont angoissés, moi je vais les laisser comme ça s'angoisser. Moi je vais être content dans mon côté, je vais faire la voix de ta chaîne tout seul. Ça ne se fait pas de faire des choses pareilles. Comme ça, c'était dans le cerveau du fils de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan lui dit, écoute, si toi tu veux t'associer avec les souffrances du peuple d'Israël, très très bien, il lui dit. Ça c'est très très bien de prier pour eux. Ce que tu dois faire, tu vas te mettre dans un coin, prends des Tehillim et commence à prier pour le peuple d'Israël, pour pas qu'il y ait des maladies, ou alors t'as peur pour le peuple d'Israël qu'il y a des choses mauvaises, des trucs comme ça. Très bien, mais toi à côté, prends un moment dans ta journée et prie pour eux. Alors tu vas vraiment les aider. Ça veut dire que tu fais ce que tu dois faire, ton devoir c'est de prier pour eux. Mais pas t'angoisser pour rien. Ça sert à rien de t'angoisser. Quand tu vas t'angoisser, tu ne vas pas les aider. Tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Au contraire, tu es en train de te rendre malade à toi aussi. C'est-à-dire que tu rajoutes encore des souffrances au peuple d'Israël. Et tu ne donnes pas de la force au peuple d'Israël en t'angoissant. Tu ne pourras même pas aider ton frère. Si toi tu es angoissé, comment tu vas le sortir de l'angoisse? Si toi tu es angoissé, comment tu vas pouvoir aider ton frère qui est dans l'angoisse? Il faut qu'au contraire, tu vois quelqu'un qui est angoissé. Alors qu'est-ce que tu dois faire toi? Tu veux maintenant l'aider? Tu ne dois pas te mettre en angoisser avec lui. Tu dois te mettre de côté et prier pour lui. Si tu peux pleurer pour lui, pleure pour lui. Mais, Akol Alpi Drachim Shilimadnu Morenu Akadosh, seulement selon les chemins que Rabbeinu nous a enseignés. C'est-à-dire, c'est quoi les chemins? Faire ça une heure par jour. Quand tu vas prier dans ta Itbodedut, dans ton heure, tu vas te fixer une heure dans ta journée où tu vas prier pour toi-même. Tu vas faire Itbodedut, tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour ton âme. Alors aussi,
tu vas rendre à l'intérieur aussi cette prière pour le peuple d'Israël, ou alors pour ton frère, ou ton cousin, ou ton ou n'importe qui, ta femme, ta maman, n'importe qui. Tu pries pour lui aussi. Quand tu pries pour toi, au moment où tu vas faire ta hitbo des doutes, où tu dois de toute façon briser ton cœur devant Akadosh Baruch Hu, alors plus que ton cœur, tu le brises, et ben rentre à l'intérieur aussi les souffrances du peuple d'Israël. Alors comme ça, tu vas vraiment les aider. Achar bi'amen ou nixera gzera mara kazot. Oulai yachus, oulai rachem, peut-être Akadosh Baruch Hu, il va avoir pitié de nous, peut-être qu'il va, il va être miséricorde. Aval gamata tzrichim lechazek atmo liot kol hayom besimcha. Mais ça aussi, il faut savoir que toute la journée tu dois être joyeux, se renforcer et d'être joyeux. Al kohen kol tovot shimsaim banu adain. Akitoti vodi imach. Tu dois continuer à être joyeux. Tu ne dois pas te rentrer de te mettre malade parce qu'il y a des souffrances, même si c'est un proche à toi. Parce que tu ne pourras pas l'aider en te mettant malade pour lui. Ça ne l'aidera pas. Au contraire, tu te rends malade à toi et tu fais encore plus grave. Tu fais encore plus grave, tu ne pourras même pas l'aider. Ça veut dire quoi? Il te dit, Rabbi Nathan, il t'enlève tous les problèmes. Quelqu'un, il regarde dans le monde, il se passe dans le monde, il vit. Il vit dans ce monde-là, il vit. Il y a dans ce monde-là des choses qui sont joyeuses et des choses qui sont pas joyeuses, malheureuses, qui se passent. Et tout c'est Akadosh Baruch Hu. Tout est fixé depuis Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il met dans chacun ce qu'il doit recevoir. Et des fois, on peut changer des décrets. Il y a des décrets qui sont fixés sur quelqu'un, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décrété ça pour le tuer, cette personne. Il a décrété ça pour que cette personne fasse teshuva et qu'elle demande pardon à Akadosh Baruch Hu. Et si la personne a fait teshuva, Akadosh Baruch Hu, il enlève le décret. Il y a des décrets que Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Il a décrété. C'est comme ça et ça ne pourra pas changer parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est ça son tikkun, c'est ça le mieux pour lui. Donc Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas l'enlever ce décret-là parce qu'il ne pourra pas lui donner un autre cadeau mieux que ça. C'est ça qu'il doit faire pour réparer ce qu'il doit préparer, il n'y a que ça qui pourra l'aider. Donc Akadosh Baruch Hu, des fois il fait un décret sur quelqu'un et ce n'est pas possible de changer. Mais en général, les décrets qu'Akadosh Baruch Hu fait, on peut tous les changer. Si on fait tshuva, Akadosh Baruch Hu, il peut tout changer, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut réparer à la place de ce mauvais décret. C'est-à-dire quoi, un mauvais décret sur quelqu'un, il était décrété pour lui. Pourquoi? Pour son bien, pour le faire un tikkun, pour l'aider. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi la personne elle prie pour guérir? Si par exemple d'être malade c'est ça le cadeau, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi la personne elle prie pour guérir? Si la personne elle a mal au pied, c'est ça son tikkun, c'est ça sa réparation, c'est d'avoir mal au pied. Pourquoi la personne elle prie pour qu'elle puisse marcher et qu'elle est... Eh bien il dit Rabbi Nathan, il dit comme ça, pourquoi ce tikkun là, par exemple quelqu'un doit avoir mal au pied, pourquoi il doit avoir mal au pied? C'est ça son tikkun. Maintenant lui, Akadosh Baruch Hu, il a des centaines de tikkun pour lui donner. Il n'est pas obligé de donner ce tikkun. Il a des autres réparations. En faisant tshuva, tu fais ta réparation sans passer par des souffrances. Ça veut dire ce que tu devais réparer avec les souffrances, tu as réparé grâce à la tshuva. Donc tu n'as pas besoin de souffrir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a un mauvais décret dans le monde? Alors qu'est-ce qui se passe? La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à s'angoisser pour le mauvais décret. Elle commence à penser à ça. Et ce n'est pas dans tes mains. Seulement, qu'est-ce qui est dans tes mains? Dans tes mains, c'est fais tshuva pour lui. Peut-être que c'est toi qui lui as causé ça. Alors prie pour lui, fais tshuva pour lui. Prie pour lui, peut-être que c'est à cause de toi que lui, il a ce décret-là. Chas v'shalom. Aide-le. Et si maintenant tu vois qu'il ne peut pas faire tshuva, cette personne, prie pour qu'il fasse tshuva. Prie pour que cette personne, c'est Akadosh Baruch Hu, à l'aide d'une autre manière, elle lui fasse un tikkun plus simple, plus rapidement. Et comme ça, tu peux l'aider. Mais maintenant, de te mettre malade pour une autre personne, c'est le Yetzirara qui te demande de... C'est ça, c'est une mauvaise conscience. C'est une bonne conscience, mais qui est en vérité, qui est-ce qui parle là-bas? C'est pas le Yetziratov, c'est le Yetzirara. Il prend la voix de la bonne conscience, il prend sa voix, okay, il sait exactement parler comme la bonne conscience. Et le Yetzirara, il te rentre dans la tête, voilà, tu dois, parce que tu es un juif, parce que tu es un juif, tu dois te rendre malade pour tes frères. Alors qu'est-ce que la personne elle fait? Elle se rend malade et après à la fin qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut même pas prier pour eux. Parce que comment elle va prier? Elle est malade, mais même elle a besoin qu'on prie pour elle maintenant. Comment elle va aider l'autre? Si elle est malade, alors comment? Alors comment Rabbi Nathan te dit? Tu dis écoute,
toi, tu dois être toute la journée joyeux. Quand tu vas être joyeux, tu vas avoir des forces. Tu vas pouvoir bémet aider ton peuple. Tu vas pouvoir prier bémet pour eux. C'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Nous, ce qu'on veut faire en fait, quand on est dans ce monde-là, on doit regarder les choses avec nos yeux. Comment faire pour aider l'autre? C'est ça qui s'appelle d'avoir pitié envers l'autre. Comment je vais faire pour l'aider? Pas me mettre gratuitement dans une angoisse qui pourra pas aider l'autre de toute manière. Donc je suis pas en train de l'aider. Ça s'appelle pas. C'est que si par exemple il y a quelqu'un, il est en panne avec sa voiture. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, toi, t'es en panne? Alors je me mets en panne aussi. Il est bête ou quoi, le type? Si tu dis que ton frère il est en panne, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas l'aider maintenant? Alors va avec ta voiture, va chercher un garagiste. Va lui amener un garagiste. Tu es en train de te mettre en panne. Tu dis, ah, toi, t'es en panne, t'as crevé ton pneu? Moi, je vais crever mon pneu aussi avec toi. Ça s'appelle pas d'aider ton frère. Ça, c'est le Yetzer qui te met dans la tête. C'est très beau, ça pourrait être très beau. Mais c'est bête. C'est beau, mais c'est bête, c'est pas vrai. Ça veut dire, voilà, moi, toi ton pneu il est crevé, ben moi je vais crever le mien aussi. C'est un beau geste, mais tu n'as pas aidé ton frère. Il reste en train de pleurer, toi maintenant tu vas aussi te mettre en train de pleurer avec lui. Donc tu n'es pas en train de l'aider. Parce que si tu veux vraiment aider ton frère, qui tu vois qu'il est en panne, ce que tu peux faire c'est prendre ce que tu as. Si tu as de l'argent à lui donner pour qu'il prenne un taxi, rentre chez lui. Si tu peux, si tu as un téléphone, tu peux téléphoner. Fais quelque chose, tu peux prendre ton frère, tu le mets dans ta voiture, tu le ramènes chez lui à la maison. Fais quelque chose pour l'aider, ne fais pas quelque chose qui va te rentrer dans le même problème que lui et à la fin tu ne pourras pas l'aider. Et ça, le Yetzer Hara dans l'histoire du pneu crevé, c'est sûr que nous on comprend tout de suite qu'on ne doit pas crever notre pneu. Mais quand on voit quelqu'un qui est dans la peine, on ne sait pas comment l'aider. Mais le problème qu'il y a, pourquoi on ne sait pas comment l'aider? Pourquoi on ne sait pas comment aider notre frère? Parce qu'on ne sait pas qu'on peut prier pour lui. On ne sait pas que c'est en vérité, c'est à toi, Akadosh Baruch Hu, dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas être dans sa peine, on ne peut pas la sortir de lui. On n'est pas des docteurs, on ne sait pas comment aider cette personne. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Tu as une bouche. Tu peux prier devant Akadosh Baruch Hu, tu peux prier devant ton père que lui, il peut tout faire. On a quelqu'un vers qui nous confier. On a quelqu'un vers qui prier, vers qui parler. On peut parler devant Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il veut, il n'a pas besoin de docteur, la personne peut guérir. Et si Akadosh Baruch Hu ne veut pas, c'est ça son tikkun, alors la personne, c'est ça, c'est bien pour lui, c'est comme ça que ça doit être. Donc, toi, tu dois être de toutes les manières, de toute façon, ce que tu peux faire, fais ce que tu peux pour l'aider. Fais ce que tu peux pour l'aider. Quand tu vas, il va voir que tu es joyeux et tu vas pouvoir venir le renforcer. Si tu vas te mettre dans la peine pour lui, tu verras que tu pourras même pas aller le rendre visite. Parce que tu vas dire, moi, je vais aller chez lui, je vais me angoisser maintenant, je n'ai pas envie d'aller m'angoisser. Tu pourras même pas l'aider. Allez le voir, allez le rendre visite, tu ne pourras pas. Parce que tu vas te dire, ah, moi si je vais aller le voir, maintenant je vais rentrer dans l'angoisse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, voilà, moi je ne me rentre pas dans l'angoisse. Je sais que tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Moi ce qui n'est pas dans mes mains, c'est pas dans mes mains. Ce qui est dans mes mains, c'est de prier pour lui. Et si je peux l'aider avec de l'argent, alors je peux l'aider avec de l'argent. Si je peux l'aider avec mes moyens, je l'aide avec mes moyens. Si je n'ai pas de moyens pour l'aider, alors je peux prier pour lui. Alors c'est comme ça que Rabbi Nathan il va nous apprendre là, c'est très très important de savoir ça, ça peut nous sauver notre vie, parce qu'on va pouvoir nous renforcer, donner de la joie, même dans les moments les plus difficiles, et même dans les moments où c'est très très difficile, et on va pouvoir se renforcer dans la joie et prendre dans ces moments-là aussi des trésors. Parce que là, dans les moments où tout est difficile, où tout le monde est en train d'être angoissé et tout, il n'y a pas beaucoup d'avodat Hashem, il n'y a pas beaucoup de service, parce que les gens, leur cerveau, il est embrouillé. Alors quand quelqu'un, il arrive à se remettre en joie, il va pouvoir lui-même se rendre en joie, il va pouvoir réjouir les autres, donc il va dévoiler l'honneur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, il va pouvoir réjouir quelqu'un d'autre, il va pouvoir sortir quelqu'un d'autre de son angoisse. Et ça, c'est quelque chose de très grand de sortir quelqu'un d'autre dans l'angoisse. Et en plus de ça, lui-même, il va servir Akadosh Baruch Hu. Et dans des moments comme ça, où il n'y a presque personne qui sert Akadosh Baruch Hu, alors chaque Avodat Hashem qu'on fait, c'est énorme. Puisque c'est comme on dit que les moments les plus importants d'étudier la Torah, c'est le vendredi où tout le monde n'étudie pas. Les gens, ils sont occupés. Donc le vendredi, c'est très 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 fort à Kadosh Baruch Hu, il est très content quand il voit quelqu'un qui vient étudier parce qu'il y a presque personne qui vient étudier à ce moment-là. Ou alors le samedi soir où les gens aussi ils étudient pas trop. Des moments comme ça, ou alors de la nuit, après Khatsot Laila, c'est encore plus important. Tov, Na Beni Habibi. Donc quel rapport avec ce qu'on a dit? C'est que les moments où c'est difficile, les gens ils servent pas trop Hachem.
Donc là, quand toi tu te renforces et tu t'es joyeux, alors c'est assez, tu prends tout le paquet qui vient roll. Akadosh Baruch Hu est très content pour toi. Il est très content pour toi, il est très content qu'il y a son fils qui a encore, qui a foi en lui. C'est quoi la traduction de la foi? C'est quoi la traduction de la joie? C'est la foi. Quand quelqu'un il est joyeux, c'est parce qu'il a foi. Ou alors il a foi en ses forces, parce qu'il voit qu'il a réussi. Ou alors, c'est quelqu'un, même s'il ne réussit pas, il peut être joyeux. Comment? Il a la foi en Akadosh Baruch Hu. En général, qu'est-ce qui est joyeux? C'est quelqu'un qui réussit dans sa vie. Ou alors c'est quelqu'un qui a la foi en Dieu. C'est tout. Quand, même la personne qui réussit dans sa vie, elle est joyeuse parce qu'elle réussit. Au moment où ça ne va pas aller, c'est fini, il n'y a plus de joie. Alors que quand quelqu'un il est joyeux, quand quelqu'un il a la foi en Dieu, même quand il ne réussit pas dans sa vie, il peut être joyeux. Parce que ce n'est pas ses forces à lui. Il a foi dans les forces du Tout-Puissant. Il a la foi dans la force dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, pas dans ses mains à lui. Quand quelqu'un il est joyeux parce qu'il réussit, parce qu'il dit « Ah, j'ai les forces, je sais, j'ai le pouvoir. » Au moment où Akadosh Baruch Hu lui reprend ça, il ne peut plus être joyeux. Mais quand quelqu'un il a la foi dans la force d'Akadosh Baruch Hu, dans les mains de Dieu, il y a pas de moment où il pourra être, il va pas être joyeux. Même quand tout va mal, ben il a la foi, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ça, c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bien. Et si tu n'arrives pas à croire que c'est pour ton bien, dis-le avec ta bouche. Il te dit Rabbi Nachman, tu parles avec ta bouche. Dis, j'ai la foi que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Quand tu vas parler avec ta bouche, tu vas dire des paroles de foi, la foi elle va rentrer dans ton cœur. Comme ça, Rabbi Noah Kadosh, il dit. Na, il te dit Rabbi Nathan, à son fils, il dit, Na, béni, s'il te plaît, mon fils, Chavivi, mon cher, Altam Shich Alecha Chazve Shalom, Marash Chora Bechinam, n'amène pas à toi des angoisses pour rien, gratuites. Chalila Alecha Lazuz Mimkomcha Mechamadze. Chas v'shalom, que tu vas bouger de ton service divin que tu es en train de faire à cause de ça. Shalom lecha, al tira, n'aie peur de rien. Ou kumochen, share adeagot, marash chora shelcha, kulam bechinam, sache que toutes les angoisses que tu as, c'est tout gratuit, c'est bechinam, c'est en vain. Et namouilim klal, ça aide pas du tout. Ou mazikim arbe, ça au contraire, ça endommage beaucoup. Rahman al-Sam, que Dieu nous en préserve. והנה בתחילה היה לי צער מתעברה ביום ג' שרחת בצרכה, אך מצאתי גם שם את שאווה נפשי, שם הנקודות שלך, כן? ידיע רבי נתן, עוד דיבי שווה אמפה דצער, שווה, ששמה פי ג'ומל, כן? כמו שווה, que comment tu cries, comment tu as de la peine, parce que Rabbi Nathan, c'est un être humain, on parle pas de quelqu'un, qu'on doit, Rabbi Nathan, il sait très très bien qu'on va passer devant une peine. Quand quelqu'un il voit son frère dans la peine, il est obligé d'avoir de la peine pour lui. C'est quelque chose d'automatique. C'est quelqu'un normal, c'est humain d'avoir de la peine pour quelqu'un d'autre. Mais le problème qu'il y a, c'est ne leur continue pas cette peine. Parce qu'elle ne va pas t'aider. C'est bien d'avoir de la peine, mais serre-toi-en pour prier pour lui. Ça veut dire, c'est ce que Rabbi Nathan continue à nous expliquer, il dit que moi quand j'ai écouté ta peine, moi aussi j'ai eu de la peine. Je ne crois pas qu'il est en train de lui expliquer comment lui il a fait ce travail. Regarde, maintenant Rabbi Nathan toujours il nous donne des exemples comment lui il fait le travail. Là il nous dit Rabbi Nathan, moi quand tu m'as raconté ta peine, j'ai eu de la peine pour toi. Il dit regarde, même pas une petite peine, il dit Rabbi Betrila, au début j'ai eu une grande peine. Quand j'ai vu ta lettre, quand j'ai écouté ta peine à toi, moi j'ai eu une grande peine. Ah, matzati gamsham et shavan nafshi. Après, il a dit, regarde ce que j'ai fait. J'ai recherché là-bas ce que je vous cherche, ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Les nekudot tovot. J'ai cherché en toi des bons points. J'ai regardé dans ta lettre et j'ai vu, Baruch Hashem, que tu te renforces encore dans les paroles de Rabbeinu, tu as la foi dans Rabbeinu, tu fais encore un peu des doutes, tu cries encore un peu vers Hachem. Ça, c'est ce qui m'a soulagé. Zehilki Mikola Mali, ça veut dire il a eu de la peine, mais après il a trouvé, bon, je vais trouver quelque chose de bien quand même. Je vais essayer de chercher quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette histoire? Ça veut dire on voit quelqu'un maintenant qui est dans la peine, comme lui, il doit se renforcer dans la foi et de savoir que tout est pour le bien et de trouver en lui des bons points, de trouver des choses qui sont bien. Toi aussi fais ce travail pour ton frère, ne crois pas qu'il n'y a que lui qui doit le faire. Parce que le Yetzer Hara il parle pour toi, il dit « Ah c'est facile de parler ».
Mais toi, on va te voir quand tu vas être dans cette situation-là, si toi, tu vas te renforcer. Comme ça, le Yetzera, ça c'est le Yetzera qui dit ces paroles-là. Parce qu'en vérité, c'est comme ça. Si c'est facile, alors, et alors que c'est facile de parler. Eh ben, au moins, quand c'est facile, fais-le. Alors qu'on va chercher que quand c'est difficile. Déjà, on va, déjà fais le travail quand c'est facile, déjà. Et après, Bezrat Hashem, quand ça sera difficile aussi, tu vas, Hashem, il va t'aider aussi à faire quand ça sera difficile. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un qui est dans la peine, et tu te dis, alors moi, lui, il est dans la peine, et alors je vais aussi me mettre dans la peine. Il dit, Rabbi Nathan, trouve quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu aurais fait à ça? Qu'est-ce que tu aurais dû faire à sa place? Te renforcer dans la joie. D'accord? Et là, tu aurais dû trouver des choses de bien. Fais-le aussi. Fais-le aussi pour lui, pour ton frère. Ça veut dire, trouve quelque chose de bien en lui. Trouve quelque chose de bonnes écoutes de Tovot. Ou alors, qu'est-ce qu'il a de bien dans sa vie, qu'il y ait des choses de bien. Même qu'il a ça et ça et ça de mal, Baruch Hashem, il a ça et ça de bien quand même. Et renforce-toi avec ça. Et foi. Ça veut dire, on fait aussi le travail quand on voit l'autre, on doit faire aussi le même travail. Quand ce que Yetzera, il nous dit, c'est facile de parler pour les autres. Mets-toi à sa place, on verra si toi tu vas réussir à faire ça. Ça, c'est faux. C'est des mauvaises paroles. Ça, c'est le Yetzera qui veut te rentrer dans l'angoisse. Alors il te dit ça, soi-disant c'est un super tzaddik. Soi-disant toi t'es un super tzaddik, voilà maintenant toi. Non. Toi, tu dois être joyeux. Il y a une mitzvah d'être joyeux, tout le temps. Donc maintenant toi tu dois te renforcer. Si c'est facile, eh ben c'est très bien. C'est très facile, c'est très bien. Si c'est difficile, alors ce sera difficile. Il faudra aussi travailler quand ce sera difficile. Mais c'est pas parce que c'est maintenant c'est facile alors que tu as une mitzvah de te rentrer dans la peine et dans la tristesse et t'angoisser. Au contraire, on doit être joyeux. Ce qu'on peut aider notre frère, il faut qu'on l'aide. Mais pas nous rentrer dans la tristesse, Chas v'Shalom. Parce que si on rentre dans la tristesse, nous aussi on va tomber, Chas v'Shalom. Et on va aussi, Chas v'Shalom, s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. On ne pourra même plus prier pour notre frère. Notre cœur il va se fermer. On ne pourra plus prier. Quand on est triste, on ne peut pas prier. Même si on va prier avec la bouche, on ne pourra pas prier avec le cœur parce que notre cœur il est fermé. Quand quelqu'un il est triste, son cœur il est fermé. Il ne peut pas prier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver l'espoir dans la situation. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation? Ah, il y a ça et ça, Baruch Hashem, Hashem il n'a pas abandonné cette personne. Regarde, il y a ça et ça en bien. Maintenant je vais trouver, maintenant je vais prier pour lui, Bezrat Hashem, j'ai la force. Mashekvar Ichnasta. Maintenant Rabbi Nathan il continue, il dit, voilà moi c'était quoi mon soulagement, que j'ai réussi à vous faire entrer en vous un petit peu les conseils de Rabbeinu Akadosh. Qui va donner que vous allez recevoir tous les conseils de Rabbeinu Akadosh? Vous allez aller dans les chemins de Rabbeinu Akadosh. Et l'essentiel c'est d'écouter très très fort, d'écouter attentivement. Ken Mash et Mechazek, le renforcement de Rabbeinu, ça veut dire Rabbeinu il dit deux choses. Il renforce et il réveille. Rabbeinu Akadosh, il donne deux conseils. Le réveil, il t'aurait, ça veut dire il te donne de la pêche. Maintenant, il faut que tu te renforces, mon frère. Lève-toi, Khatsot. Commence à crier vers Akadosh Baruch Hu. Fais de beau des doutes. Va étudier la halakha. Fais ce que tu dois faire dans la. Ça s'appelle le réveil. Réveille-toi. Sors de ton sommeil. Ça, c'est le t'aurait. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit, Rabbi Nathan? Il y a autre chose qui s'appelle Itraskut. Itraskut, c'est le renforcement. Ça veut dire t'es tombé. Pas peur. Et renforce-toi, ne tombe pas encore plus. Sache que Kadesh Baruch Hu est avec toi. Et ça, il te dit, Rabbi Nathan, il faut. L'essentiel, c'est d'écouter très très fort, très attentivement le renforcement de Rabbeinu Akadosh. Mashé Mechazek ou Mezarez ou Mazir Beyoter. Il nous demande de faire attention. Il nous prévient. Très très fort de se renforcer et d'être joyeux, de se réjouir à chaque instant, hier chez hier, que ça soit comme ça soit, que la personne a fait ce qu'elle a fait, qu'elle se trouve dans l'endroit où elle se trouve maintenant. Ça, c'est où tu es maintenant, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi dans l'endroit où tu es, là-bas Akadosh Baruch Hu, il est. Si tu es dans le Guéhinom, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi aussi dans le Guéhinom. Ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans un palais et toi tu es tout seul dans le Guéhinom. Akadosh Baruch Hu, tu es rentré dans le Guéhinom, Akadosh Baruch Hu, il est rentré avec toi dans le Guéhinom. Où tu es, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Tu es rentré dans la Touma, tu souffres là-bas, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi là-bas. Ou Baruch Hashem, yesh lanu bamelis moach, on a de quoi nous réjouir. Almash ezachinu lida meor kaze, du fait qu'on connaisse une lumière comme ça, d'Orabenu Akadosh, or aorot, lumière des lumières, or tsarat ametsur tsar, la lumière clair et pur, limpide. De là et dia, de là et yada, de là et mandekaimabek. Personne ne connaît cette lumière-là. Elle est tellement limpide, tellement
pure, qu'elle est transparente. Personne ne la comprend, personne ne la voit. C'est la lumière de Rabbeinu HaKadosh. Elle est tellement limpide, tellement pure cette lumière que personne ne peut la comprendre à son essence. On peut pas la, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi cette lumière-là. Personne, aucun monde ne connaît cette lumière vraiment. Rien que ce qu'il a, il se dévoile. Rabbeinu HaKadosh, il nous a laissé à l'écouter Moharan. C'est son comme ça, l'obsolète. C'est le reste, les restants de Rabbeinu HaKadosh qui nous a laissé. C'est l'obsolète. C'est quoi l'obsolète? L'obsolète, c'est quand on fait un menuisier, il travaille. Il a fait une belle chaise. Et ben, il reste par terre des morceaux de bois comme ça. Par terre. Ça le l'écouter, Moharan de Rabbeinu. Rabbeinu, il a fait un beau, par exemple, une belle chaise. Il a une immense connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on a, il nous a laissé, c'est l'obsolète de son savoir. Qu'est-ce qui reste, les restants, ce qui reste quand on a fait la chaise, qu'est-ce qui reste, les morceaux de bois par terre comme ça. Ça l'écouter, Moharan, c'est que ça. Lui, il connaît, on sait même pas ce que c'est. Rabbeinu HaKadosh, Ashrei Achoseh Betzilo, Ashrei Abal Tzion HaKadosh Shelo, heureux l'homme qui rentre dans son, en dessous de son, de un arbre, il fait de l'ombre. C'est quoi le Tzilo? Tzilo, c'est l'ombre. Heureux l'homme qui rentre en dessous de l'ombre de Rabbeinu HaKadosh, ça veut dire rentre en dessous de l'arbre de Rabbeinu HaKadosh, il se cache là-bas. Heureux l'homme qui vient sur son tombeau à Rabbeinu HaKadosh, et celui qui a accompli les paroles de Rabbeinu HaKadosh, de faire le tikkun akali sur le tzion de Rabbeinu HaKadosh. Bevadai aset shelo lekayem avtachato, et lui c'est sûr qu'il va faire, il va accomplir sa promesse. Ah bah, il te dit après, Rabbi Nathan, il continue à parler avec son fils et il dit que HaKadosh Baruch Hu, il a créé l'oubli. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'oubli, la perte de mémoire, pour le bien. Parce que si la personne, elle n'oublie pas ce qu'elle a eu dans sa vie, elle n'oublie pas des choses qu'elle a passées dans sa vie, alors elle va toujours s'en rappeler et elle ne pourra pas continuer à vivre. Donc c'est quelque chose de bien d'oublier. Il faut oublier des choses dans la vie pour pouvoir continuer. Pour pouvoir continuer une nouvelle page, il faut savoir oublier. Sinon, on se coince. Mais, il dit Rabbi Nathan, on a le libre arbitre. C'est sûr qu'il y a l'oubli, mais il y a le libre arbitre pour se rappeler. Il y a des choses qu'on ne doit pas oublier, mais l'oubli va venir sur ça aussi, parce que c'est de la nature que les gens ils oublient. Donc nous, on a un libre arbitre de se rappeler. Il y a des choses qu'on doit se rappeler toute notre vie, on ne doit pas oublier. Même que l'oubli va venir sur ça, il va nous faire oublier. C'est très bien qu'il y a de l'oubli pour oublier des choses qu'on doit oublier. Mais les choses qu'on ne doit pas oublier, c'est ça notre libre arbitre, de se rappeler à chaque fois. Donc on doit se rappeler à chaque fois qu'on était chez Rabbeinu HaKadosh. Qu'on a réussi de venir une fois chez Rabbeinu HaKadosh, de dire Tikkun HaKlali là-bas toute notre vie, on doit se rappeler de ça. On doit se rappeler, Baruch HaShem, j'ai été chez Rabbeinu HaKadosh. Rabbeinu, il m'a promis à moi qu'il va me sauver. De ça, je dois me réjouir toute ma vie. Je dois me rappeler de ça toute ma vie. Même si maintenant il se passe ce qui se passe dans ma vie, j'ai cette promesse de Rabbeinu HaKadosh. Je m'attache à cette promesse de Rabbeinu HaKadosh. Toute ma vie, je dois m'en rappeler. Comme ça, Rabbi Nathan dit à son fils. Top. Après, il demande à son fils de lui envoyer un peu d'argent parce qu'il n'a pas. Rabbi Nathan, il était en difficulté. Hashem id barach irachem. Que HaKadosh Baruch Hu, il ait pitié. Et il dit, mais fais attention de ne pas tomber dans ça. Dans la tristesse, que tu vois que ton père il a besoin d'argent, ne tombe pas dans la tristesse de ça. Il dit, et raktafor les simra, renforce-toi dans la joie. Il dit, retourne ça dans la joie. Comment? Malgré que je suis un peu en difficulté d'argent, Baruch Hashem, et yali kama ochim al Shabbat Kodesh, j'avais quelques invités à Shabbat, il y a des gens qui sont venus chez moi pour manger, et kula marlo kugel. Ils ont tous mangé du kugel. Kugel, c'est une sorte de... c'est une petite source à manger que les Ashkenazim ils font. Kugel, c'est comme une sorte de... C'est des pâtes comme ça qui sont au four. Mais kulich, à manger du Shabbat.
וגם דיברנו דברי תורה, on a ברוך השם parlé pendant Shabbat des paroles de Torah, דברי אמת ויציב, on a parlé des paroles de vérité. Alors, il nous faut montrer encore un autre exemple, Rabbi Nathan. Malgré que je suis en difficulté et que tout est difficile, kivyachol, ken, malgré tout, ne regarde pas que c'est que la difficulté. Fais ton travail. Toi, tu peux m'aider maintenant. Est-ce que tu as la possibilité? Son fils, Rabbi Nathan, il travaillait dans la poste. Il avait de l'argent. Baruch HaShem. Il dit, toi, tu peux m'aider. C'est ce que je te demande. Je te demande pas de te mettre en tristesse pour moi. Mais sois content, Baruch HaShem. Je te Shabbat, j'avais des invités. On a mangé du kugel. Je leur ai donné du kugel. Ils ont tous mangé. On a parlé d'ivré Torah. Ça, il faut que tu te renforces dans la joie. Regarde ce qu'on a. Donc, regarde pas ce qui manque. Pourquoi je t'ai demandé à toi? Est-ce que toi, tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? La même chose, il le répète d'une autre manière à son fils. Comment regarder les choses? Moi, je t'ai demandé quoi? Faire ce que tu peux pour moi. Tu peux m'aider? Tu peux m'envoyer quelque chose? Ça, fais-le. Mais attention, ne rentre pas dans la tristesse. C'est ça que Rabbi Nathan, il vient nous apprendre. Que c'est très fin. On en a parlé, je l'ai répété une dizaine de fois là. Mais parce que c'est fin, c'est quelque chose que dans toute notre vie, on a cette épreuve. Comment regarder la chose? D'un côté, faire ce qu'on peut, le maximum qu'on peut, même plus qu'on peut, mais ce qu'on ne peut pas, ne pas rentrer dans l'angoisse pour ce qu'on ne peut pas. Ça s'appelle d'avoir le bitachon dans Akadosh Baruch Hu, d'avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la personne, même quand elle va se trouver dans des situations les plus difficiles, ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Tu peux travailler maintenant, amener. Tu dois être temps et temps. Tu peux le faire, tu peux travailler, tu peux amener. Tu peux faire, fais. Tu peux pas faire, c'est pas dans tes mains. Envoie ça à Akadosh Baruch Hu. Ce qui n'est pas dans tes mains, envoie-le à Akadosh Baruch Hu. Attends. Envoie ça à Akadosh Baruch Hu. Ce qui est dans tes mains à faire, il n'y a pas d'angoisse, fais-le. Ce qui n'est pas dans tes mains, pourquoi tu t'angoisses? Tu n'es pas dans tes mains, de toute façon, c'est pas dans tes mains. Renforce-toi, prie. Si c'est ça que tu peux faire maintenant, c'est que prier, alors prie. De toute façon, tu ne peux rien faire d'autre. De toute façon. Et même si tu aurais pu faire quelque chose d'autre, il faut que tu pries. Alors, à plus forte raison, quand tu ne peux rien faire d'autre, alors c'est sûr que tu dois prier. Bezrat Hashem Itbarach, Hashem Izakenu, de se rapprocher de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, d'aller dans leur chemin. De prier surtout, de se renforcer dans la joie, de regarder que le bien et de se renforcer dans la joie pour pouvoir avoir la possibilité de prier devant HaKadosh Baruch Hu, d'ouvrir notre cœur devant Hashem Itbarach, d'être toujours joyeux. C'est la mitzvah, une grande mitzvah. Rabbeinu HaKadosh dit pas, c'est pas une mitzvah d'être joyeux, c'est une grande mitzvah d'être joyeux. Pas une mitzvah, c'est une grande mitzvah d'être joyeux. Même quand la personne n'a pas de raison pourquoi être joyeux, du fait qu'elle est joyeuse, elle fait la volonté d'HaKadosh Baruch Hu. Voilà, je suis joyeux, pourquoi? J'ai une raison, je sais pas. Parce que toi, tu veux que je sois joyeux, alors voilà, moi, je suis joyeux. Comment faire ça? Rabbi Nathan nous apprend, regardez les bons, les kotovot, te rendre joyeux sans raison, faire comme si que tu es joyeux. Il dit, Rabbeinu, fais comme si que tu es joyeux, tu vas voir que la joie, elle va venir. Fais comme si que tu es joyeux, souris, fais soi-disant que tu es joyeux. Il y a des autres conseils que Rabbeinu HaKadosh, il parle de ça. J'ai vu dans l'écouté Moran, il parle de ça, que de faire un soupir. Quand il y a trop de tristesse dans la personne, trop de hatzvout, elle fait un soupir, elle enlève la tristesse. Alors automatiquement, ce sera plus facile pour elle de rentrer dans la joie. Quand elle soupire, de vouloir se rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu, elle soupire. Pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, avec la foi, en soupirant avec la foi, en recherchant la joie. Okay? De soupirer d'être triste. Je ne veux plus être triste. Tu te soupires. Tu fais un grand tikkun. Quand tu soupires, rien que de soupirer, parce que tu es triste, tu ne veux pas être triste. Je vais être joyeux, moi, Akadosh Baruch Hu. J'arrive pas, je suis trop triste. Tu soupires de ça, ah, pourquoi je suis triste? Tu fais un soupir, c'est mieux. Rabbeinu HaKadosh dit dans l'écouté moral que c'est mieux que des jeûnes, de jeûner, c'est mieux que de jeûner encore. C'est-à-dire, tu répares encore plus ton âme que si tu aurais jeûné. Alors Baruch HaShem, on a des conseils si simples que ça, Rabbeinu HaKadosh. On a de quoi se renforcer, Bezrat HaShem. Kol Touv.